Et le bonnet, etc., c'est parce que t'as froid ou c'est le style ou c'est... T'aurais pas dû? Je te confirme, ouais. Mais t'as pas chaud? Non? Parce qu'il fait 1000 degrés, mais toi t'as... C'est en hommage à Poutine. C'est en hommage à Poutine? D'accord. Tu t'appelles comment? Penda. J'ai pas demandé ton nom de rappeuse. Quoi? Penda? Ah oui, en swahili, ça veut dire amour. En swahili? Y'a rien qui va, tu sais, depuis qu'on parle. Et swahili, c'est quoi? Non. En Afrique, vous la trouvez, en Afrique de l'Est. D'accord. Et tu es? De l'Afrique de l'Ouest. Donc il n'y a rien qui va. Benda, t'es énervé quand même, parce que... Non, je suis pas énervée, mais j'aime bien le passage sur la théorie du genre et tout ça. J'aime bien continuer dans ça. Tu veux que je danse? Tu veux que je... Non, franchement, Penda, j'ai envie de t'obéir, parce que j'ai peur de m'en prendre une. Non, mais c'est bien, Penda, t'as un caractère. On sent que vraiment, faut pas te faire chier, ça, c'est bien. T'as pas besoin d'aide, d'accord. T'es venu avec les gens qui sont à côté de toi? À droite, là? Ouais, ça va? Elle te tape un peu de temps en temps, dis-moi. Elle est adorable. Ça se voit qu'elle est adorable. Et je suis poisson. Et t'es poisson? D'accord. T'es né le mois de mars? Ouais, et toi? Je suis scorpion, ouais. Non. Quoi? C'est vrai? Ouais, je suis scorpion. Ouais. Bah, elle a dit j'en étais sûr, maintenant c'est pas vrai. Ah non, tu m'as dit que t'étais dans le médical. Pourquoi? Tout ce qui est amputation... Waouh. Ah bah je te crois, hein. Qui m'a inventé ça en même temps? Je travaille avec les manchots, non, je déconne. On peut guérir 6 plaies en même temps. On peut guérir 6 plaies en même temps? Mais il a combien de membres, le mec qui a 6 plaies? Mais 6 moignons, je me disais, ça doit être compliqué. Parce que le moignon de la tête, ça n'existe pas. Ouais, on va revenir au spectacle. Ouais. Sur tes vidéos sur YouTube. Ouais. Etc. Tu peux en parler maintenant? Ah d'accord. Tu sors un petit peu plus des pistes. Je suis trop politiquement correct. Ah t'attends que ça toi. Mais... Tu veux que je me fasse cancel en fait? Ouais, tout ce qui est un peu plus, on aime ça. Bah, c'est vrai? Mais ceux qui sont venus par rapport à TikTok, peut-être qu'ils veulent entendre des blagues sur les nains. Faut essayer de faire plaisir à tout le monde. Et on a dit les trois petits, on savait que vous alliez les défoncer. Non, je sais pas trop défoncer. Je défonce jamais personne. Moi, je prends quelqu'un dans le public, puis c'est lui qui me défonce, comme Ben là, tu vois. Donc t'es venu avec juste ta pote à côté. On s'est pas vu depuis 15 ans. Et alors, elle a changé ou elle était toujours comme ça? C'est pareil? D'accord. Et donc, t'as fait une pause de 15 ans quand même. Hein. Ouais, mais Penda, c'est bien. Hein. Comment? Tu dis ça, mais la vraie histoire, on va la dire. Il y a 15 ans, elle m'a ghosté, elle m'a zappé. Non! J'ai l'impression d'être un psy. On reprend le spectacle ou on s'intéresse vite fait? Transgenre, mais il n'y a plus de blagues sur les transgenres. Faut venir dans un an, j'en ferai d'autres, mais là... D'accord. Hein? Tu m'as pris pour un jukebox, en fait. Elle fait des blagues... Voilà. Ferme ta gueule, maintenant. Et pourquoi tu l'as ghosté il y a 15 ans? Mais non, c'est pas vrai. Putain, mais elle aussi, elle parle de... C'est deux vénères, en fait, je comprends, vous pouvez pas vous voir. Faut vous voir tous les 15 ans, vous allez vous tuer, moi. Comment? Est-ce que je ferai un peu plus de... Non,
De hors-piste Est-ce que je finirai comme Dieudonné? Là, je vais parler sincèrement, je sais pas trop ce que les gens attendent de moi. Voilà. Est-ce qu'ils attendent que je parle comme toi de sujets un peu subversifs, ou est-ce qu'ils veulent que je parle de lancer de nains? Je sais pas trop. Voilà. Faudrait... Moi, t'as eu des petits soucis, non? Tu veux parler sexuellement ou tu... T'as essayé d'être un petit peu plus mainstream pour... Mainstream. Est-ce que je suis complètement mainstream encore? Pas complètement, mais tu... un peu trop. Un peu trop, selon toi? Toi, tu veux vraiment que je rate ma carrière? Tu veux vraiment... C'est une bonne question, mais je m'interroge un peu, savoir jusqu'où je peux aller, tu vois. Sûrement que ce que j'ai fait, le passage que t'as aimé, sûrement que je mets ça sur Internet, je pense que j'ai, pour le coup, des problèmes, mais vraiment. Mais c'est sincère, hein, vraiment, je... Ah oui, c'est sûr. C'est vraiment triste. Bah, c'est triste. C'est pour ça qu'il faut venir me voir en vrai. Mais déjà, quand j'avais fait des blagues sur les Chinois, j'ai eu des menaces de mort. Alors que les Chinois sont gentils. Je pense que je vais continuer à traiter ces sujets un peu là, mais peut-être un peu me calmer si je veux au moins continuer à vivre de mon métier. Je suis obligé, quoi. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Benda? Oui, merci, bonne soirée. Merci, ferme ta gueule maintenant.